Nous avons tenu une assemblée de haut niveau à Abidjan il y a 9 mois pour expliquer et médiatiser notre stratégie Zéro Lèpre 2030 et mobiliser près de 10 milliards de CFA autour de 3 axes forts. Nos efforts dans la lutte contre la lèpre intègrent également l'amélioration de l'accès à l'eau, dans l'assainissement également, du cadre de vie des populations, là où cela pourrait encore être nécessaire, et plus globalement, l'amélioration générale de leur vie. À tous ces malades guéris de la lèpre, qui doivent quelquefois encore et encore lutter contre les obstacles de la suspicion des uns et des autres pour s'insérer dans la vie. Dans la logique de cette année où le chef de l'État a voulu qu'elle soit l'année des jeunes, qu'il sache que des programmes spéciaux seront mis en place pour les assister et les aider à s'insérer dans la vie afin de mener, comme tous ceux qui l'aspirent, une vie décente. Alors oui, ensemble, agissons. Ensemble, agrandissons la vie. Ensemble, achevons le combat millénaire contre la lèpre. C'est possible. C'est maintenant et c'est notre responsabilité.